Yo les potes, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne, c'est Tucci. Aujourd'hui, vidéo, on va aller mettre à jour notre volant Thrustmaster. Alors là, pour le coup, ça va être le T248, mais ça marche pour tous les volants Thrustmaster. Parce que si vous êtes comme moi, que vous avez acheté un volant Thrustmaster, je suppose que c'est pareil pour Logitech, et que vous l'avez acheté avec un jeu PS4, PS5, pour jouer sur la PS4 ou la PS5, vous y avez joué sur la Play, ou sur Xbox aussi, et que d'un coup, vous avez décidé de le mettre sur votre PC, vous allez vite vous rendre compte que bah, ça marche pas très bien. Il y a un truc qui va pas, le volant est dur, il n'y a pas de retour de force, il n'y a aucun ressenti dans le volant. Bref, il manque quelque chose. Et en fait, tout ce qui manque, bah, c'est la mise à jour des drivers, donc du pilote, du firmware, c'est le petit logiciel qu'il y a à l'intérieur, et du coup, du force feedback, c'est-à-dire du retour de force. Donc on va aller faire tout ça, c'est parti. Donc là les gars, pour commencer, on va sur Google, on tape driver T248, puisque c'est mon volant, ça marche aussi pour le T300RS et pour d'autres de chez Thrustmaster. On clique bien sur le, à la rigueur, là pour moi c'est le premier, on voit bien que c'est HTTPS support Thrustmaster, donc c'est bien celui-ci, on clique dessus, on attend que ça s'affiche correctement, voilà, impeccable, donc voilà, on a ici tout ce qui est en rapport avec le volant de chez Thrustmaster. On descend un tout petit peu plus bas et ici on a divers, on clique dessus, ici on fait télécharger, ça se met en bas, ça télécharge. Et voilà, on a le TTRS, hop, voilà. Donc ce qu'on fait, moi, c'est que je vais le mettre tout simplement donc ici, sur mon bureau. Donc voilà, maintenant qu'il est là, on clique dessus. Ça va vous demander de l'ouvrir, vous dites oui. L'installation se trouve ici, voilà, Thrustmaster, c'est en train de lancer là l'installation. Voilà, ici, vous mettez suivant. Vous acceptez les termes du contrat de licence, hop, accepter suivant. Vous choisissez là où est-ce que vous voulez que ça s'installe. Moi, je laisse comme c'est. Hop, suivant. Cliquez pour installer l'installation. Vous faites installer. Et voilà, là, il suffit d'attendre un tout petit peu. Tout se charge, tout est bon. Ensuite, à la fin, ça vous demande tout simplement de redémarrer. Vous faites oui et votre ordinateur va redémarrer. Ok, terminé. Alors ensuite les gars, une fois qu'on a fini la mise à jour, on va aussi dans le petit démarrer et dans les récemment ajoutés, vous avez mise à jour du firmware. Vous cliquez dessus, vous acceptez, mise à jour du firmware ici. Vous vérifiez bien que c'est bien en rapport avec votre volant. Donc moi c'est bien le T248 qui est affiché ici. Voilà, on fait OK et l'installation va commencer. C'est marqué veuillez patienter, faites attention, ne mettez pas vos mains dans le volant. Il se peut qu'il se mette à tourner pour se calibrer. Moi il se met pas forcément à tourner mais il s'est déjà calibré à l'allumage, donc attendez et ça va se mettre à jour. Voilà les gars, notre firmware a été mis à jour, j'ai fait exactement ce qu'ils m'ont demandé. À un moment ils m'ont demandé de débrancher le T248 et de le rembrancher pour valider, c'est ce que j'ai fait. À partir du moment là il s'est mis à tourner pour se calibrer et ensuite ça m'a validé toute la mise à jour du firmware. Ensuite vous faites tout simplement OK et voilà, la mise à jour du firmware est faite. Ensuite les gars, on retourne dans démarrer et là vous avez panneau de configuration du volant. Vous prenez le petit logo, vous le mettez ici sur votre bureau, après vous le mettez où vous voulez et on va accéder maintenant aux paramètres du volant. Voilà, ça nous ouvre ça, là on est bien sur Thrustmaster Avanced Mode Racer, on fait OK, propriété, OK. Voilà, donc là on a bien les paramètres de notre T248. Donc voilà, et à partir d'ici on peut déjà commencer à vérifier que ça fonctionne, l'accélération, le frein, l'embrayage, l'axe, la rotation. On peut ensuite commencer à rentrer dans les menus du volant. Donc pour le T248, il suffit d'appuyer sur mode. On descend, on peut descendre encore. Rotation, on met en auto. Et on peut voir que si on descend, voilà. On peut choisir notre angle de rotation directement sur le volant. Ça, c'est ce qui est un avantage sur ce volant. Pour le T248. Pareil pour ce qui est au niveau du retour de force. Et des ressentis, on a trois modes prédéfinis. Donc, alors, au niveau du retour de force prédéfini, on a le FFB1, c'est le 100% ressenti par rapport au jeu. Ensuite, on a le FFB2, c'est le retour de force un peu supérieur, un peu amélioré. Et on a le FFB3 qui est full ressenti, c'est le maximum du ressenti. Ensuite, une fois qu'on a mis en FFB3, FFB1 ou FFB2, ça va être à votre convenance. Vous pouvez encore changer la force. Donc on peut la mettre de 1 à 6 crans. Donc ça sera à vous de gérer.
Moi, je la mets en 1 ou en 2 et je la mets en FFB3 pour avoir un meilleur ressenti. Voilà pour ce qui est moi du retour de force que j'applique. Ensuite, ici, on peut aller s'amuser, aller dans tester les forces. Vous allez pouvoir tester différents petits modes. Ce qui va voir votre volant va se mettre à bouger, à vibrer. Ça va permettre de tester vraiment que ça fonctionne. Mais n'hésitez pas à tester. Si ça fonctionne pas, si les 12 tests là fonctionnent pas, il y a un problème. Hein. Normalement, ils doivent tous fonctionner. Ensuite, on peut ajuster les forces. Voilà, ici on a ajusté les forces, c'est exactement ce que je disais juste avant. Donc voilà pour les forces, on va dans force. Si on est en un cran, vous voyez on est à 1%. Et si je monte, voilà, jusqu'à mon sixième cran, on est à 100%. Voilà, ça c'est ce qui règle pour la force. Donc voilà, tout ça peut être géré directement via le volant et ses commodes. Ça c'est vachement bien. Donc voilà, avec cette mise à jour du firmware, le logiciel du volant est mis à jour par rapport au PC. Le force feedback, donc le retour de force, est aussi mis à jour. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à les tester, jouer. Moi, en l'occurrence, c'est Assetto Corsa. Donc voilà les gars, nous voilà dans l'Assetto Corsa. On va aller tester le volant, on va aller voir si on a du ressenti, si on a du retour de force. On va voir comment ça se présente, on va voir en même temps si tout fonctionne correctement. On va prendre ma voiture favorite, la S4 B5. Voilà, elle fait 1100 chevaux, un bruit du tonnerre, je la trouve magnifique. Allez, parti, hop, on y va. Regardez-moi ça. Oh là là, est-ce que c'est bon? Franchement, magnifique. Déjà là, j'ai du bon ressenti sur la route. Vous savez quoi? On va se mettre un petit peu de trafic. Hop, trafic tools, trafic. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, là on est bien. Allez, c'est parti. Vue intérieure, j'adore. Donc c'est vraiment le mieux pour conduire. On n'a pas le même ressenti au niveau du son dans le casque, mais on a même les ports. Allez, c'est parti. Déjà là, je sens toutes les aspérités sur le sol. Je sens tout ce qui se passe, les moindres micro-bosses, on va dire. On va essayer de se faire une petite boucle sur autoroute. Évidemment, à ne pas reproduire dans la réalité. Voilà, évidemment, on n'est pas passé loin de l'accident là, franchement les gars. Allez, poussez-vous là, bon allez. Mais là, on sent bien la route dans le volant. C'est vraiment un truc que j'avais pas juste avant. Voilà, évidemment, là on tape un peu les murs, on s'en fout. Mais là, j'ai bien senti que ça tirait le volant en tapant les murs. Chose qu'avant, j'avais pas du tout. On sent aussi lorsqu'on freine fort et qu'on n'est pas dirigé vers l'avant, genre lorsqu'on tourne et qu'on freine fort, que la voiture, on sent qu'elle part. On le sent bien dans le volant. Donc là, pour moi, c'est validé. Ouais, là, regardez, là, on sent bien, là. Voilà, les amis, vous avez vu, c'était vraiment pas compliqué de mettre à jour notre volant, mettre à jour le FFB, bref, le retour de force, firmware et tout ce qui va bien, afin que ça puisse fonctionner correctement sur PC. Évidemment, si vous le connectez sur une console, il n'y a rien à faire, tout fonctionne direct. Alors que sur PC, vous avez vu, il suffit de faire cette petite mise à jour et après, vous êtes bien, au moins votre volant est prêt à jouer. Après, à vous de peaufiner le retour de force, à vous de peaufiner si vous voulez le FFB 1, FFB 2 ou le 3. Suivant les ressentis que vous souhaitez sur le T248 en tout cas. Ensuite, si vous avez un T300RS, pour la mise à jour du volant, du firmware, c'est exactement pareil. Forcément, vous n'aurez pas ces petits réglages de FFB et de retour de force directement dans le volant. Ça, c'est vraiment typique du 248. Et si vous aimez ce genre de vidéo, vous êtes sur la bonne chaîne. Il y a plein de tutos ici. Si tu as envie de me soutenir, le petit like, l'abonnement. Si tu aimes cette vidéo, t'hésite pas. Hein. Tu peux aussi venir en parler, me dire un commentaire. C'est vrai, c'est cool, ça fait plaisir. Bref, tu connais la chanson. En tout cas, les amis, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.